Salut, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment moi je fonctionne pour réaliser la mob sur Ardat. Si j'ai choisi cette map en premier, c'est tout simplement que c'est la map pour moi la plus facile pour réaliser une mob et je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je pense que vous avez tous remarqué les intros des différentes chaînes communautaires placé au début de ma vidéo, c'est tout simplement que je compte leur envoyer ce premier tutoriel en espérant que celui-ci soit utile à une grande majorité de personnes et que vraiment ça vous permette de réaliser une mob beaucoup plus facilement sur cette map. Allez, on est parti. En premier lieu, j'ai tout simplement vous décrire l'aspect théorique de ce tutoriel. Alors tout d'abord, vous avez une image de tous les spawns sur Ardat. Je vous laisse mettre pause sur cette image car je ne vais pas la décrire très longuement. Tout simplement, vous pouvez remarquer que les spawns sont répartis à différents endroits de la map, un petit peu près, à peu près partout. Donc on ne peut pas vraiment les situer dans une zone précise. Voilà, je vous laisse mettre pause pour vraiment les étudier le plus possible car c'est très important d'étudier les spawns pour réaliser une MOAB. Alors, pour cette deuxième image, là, vous avez vraiment la représentation des spawns aussi, mais en domination. Là, c'est vraiment histoire de vous présenter ma stratégie sur cette map, mes déplacements. Vraiment, c'est axé sur mes déplacements. Alors, comme vous pouvez le voir avec les flèches, j'utilise la partie gauche de la map, tout simplement, car la partie gauche, c'est là, premièrement, qu'il y a le plus de spawns. Je vous laisse les compter. Il y en a 6 du côté gauche et il y en a tout simplement 4 du côté droit. Donc c'est vraiment plus avantageux d'aller à gauche pour rencontrer un plus grand nombre d'ennemis. Mais c'est pas vraiment la raison principale. La raison principale, c'est que c'est la partie de la map la moins dangereuse. C'est la moins dangereuse car il n'y a pas vraiment de spot de camp. Je m'explique. Sur le côté droit de la map, je pense que tout le monde connaît à peu près le spot. Par exemple, en recherche et destruction, il y a beaucoup de snipers qui se situent, pardon, soit derrière la grue, donc ça serait vrai, ça serait plutôt vers le bas de la map, et vers le haut de la map, beaucoup de personnes se situent sur les caisses, sur les sortes de caisses au fond de la map, pour pouvoir vraiment avoir un grand visuel sur ce long couloir. Et c'est vrai qu'en partie de domination, on rencontre très souvent des campeurs dans cette zone. Et c'est pour ça que c'est une zone à éviter le plus possible. Sur cette deuxième image, celle qui vient d'apparaître sous vos yeux, vous apercevez donc aussi que j'ai encore une fois mis les flèches vertes. C'est tout simplement qu'une fois avoir fait l'allée, donc c'est vraiment, on fait des petits tours de map. Des petits tours, sauf qu'on s'arrête vers le point 3, vous voyez le point 3. Une fois qu'on est arrivé là, une fois qu'on a essayé de fouiller ce spawn-là, moi je vous conseille de revenir en arrière et essayer de repartir sur les spawns vers les spawns du 2 rouge ou du 2 bleu ou encore du 1 bleu. Mais alors aussi, je pense que vous avez aussi aperçu les petites droites roses. Et les petites droites roses, c'est tout simplement les endroits à ne pas dépasser. La zone rose numéro 3 rouge, c'est tout simplement pour la raison que j'ai déjà expliquée auparavant, à cause des campeurs. Et la zone 1 bleue, c'est tout simplement qu'il y a deux endroits, les ennemis peuvent surgir de deux endroits différents. Ils peuvent surgir du couloir qui mène vers le centre de la map et ils peuvent aussi venir du couloir du spawn principal, donc du spawn de départ. Et du 4 bleu. Voilà. Une dernière petite chose sur cette image, vous voyez qu'au milieu de la map, j'ai placé une croix rouge. C'est tout simplement une zone à proscrire de votre stratégie. C'est une zone qu'il ne faut surtout pas aller, car il y a trois rencontres, il y a trois couloirs, donc trois fois plus de chances de se faire tuer. Donc c'est vrai que c'est une zone vraiment très dangereuse. Vous pouvez voir plus de personnes que dans les zones différentes, enfin dans les zones, oui, les zones différentes, mais c'est un endroit super dangereux et quand on tente une mob, on ne prend pas beaucoup de risques, enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et vous voyez aussi une sorte de ovale, on va dire un ballon de rugby orange. C'est tout simplement une zone qui n'est pas vraiment très dangereuse, mais c'est une zone plutôt dangereuse à éviter le plus possible.
Donc, elle est dangereuse, c'est pour ça que je l'ai mis en orange. Donc, ça signifie qu'elle est dangereuse. Pas qu'elle est vraiment, enfin, à proscrire, mais vraiment qu'elle est dangereuse. Voilà. Donc, voilà pour cet aspect stratégique. Maintenant, on va plutôt passer à l'aspect pratique. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour un gameplay avec la PM9 sur la map Ardat, évidemment, en domination. Alors, pourquoi avoir choisi la PM9 pour vous illustrer ma stratégie et mes déplacements dans ce tutoriel, c'est tout simplement parce que je me suis dit, voilà, pour vraiment que, enfin, pour vous prouver que ce tutoriel est utile, il va falloir que je tente une map plutôt difficile à réaliser. Donc, je pense qu'avec une PM9, ça reste quand même compliqué à réaliser, hein. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec un AC, enfin, avec un ACR ou une MP7. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la PM9. Et donc j'espère vraiment que ce gameplay vous montrera bien, vous prouvera que mes conseils ne sont pas inutiles et que ça vous aidera vraiment à réaliser des mobs. Alors, donc là vous voyez très bien que j'étais rendu au point 3 rouge de mon aspect tactique. Donc j'étais rendu au spawn 3 rouge, voilà. Et j'ai fait demi-tour parce que je me suis dit tout simplement que les ennemis ne respawnaient pas à cet endroit. Donc là, vous voyez que je temporise un peu. Si je temporise, c'est tout simplement que j'attends que mes partenaires m'envoient du drone. Donc ça, d'ailleurs, c'est un point que je vous conseille, hein, jouer avec ses partenaires, c'est vraiment très très bien pour tenter des mobs. Et en l'occurrence, si nos partenaires jouent avec des drones, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, je fais demi-tour. Je reste vraiment sur la partie gauche de la map et encore. Et vraiment à l'extrémité gauche, tout simplement parce que c'est un endroit moins dangereux que le couloir, on va dire, voilà, ce couloir-là, pour mener au tunnel. Donc vous voyez là que l'ennemi, enfin, vous voyez qu'on tient les positions B et A, et donc par conséquent, les ennemis vont respawner à C. C'est pour ça que je reste à C. Alors après, vu que, enfin, maintenant, je pense que vous connaissez les spawns, il y a différents points spawn, et c'est pour ça que je tourne à peu près autour. De manière à ce que j'ai vraiment que je rencontre beaucoup d'adversaires et surtout que je les rencontre mais toujours avec un avantage vu que je serai toujours dans la meilleure position et que j'attendrai les ennemis et non pas c'est les ennemis qui m'attendront. Voilà, donc là vous voyez que on vient de prendre C et donc par conséquent je vais essayer de tout simplement d'aller chercher les ennemis vers B. Vous allez voir que je vais être extrêmement prudent. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu la séquence. Là, je vais essayer de passer. Et là, je vais voir mon partenaire, donc Destroy Gamer, qui vient de se faire éliminer. Et donc, je me dis, bon, il y a du people. On va essayer de vraiment de faire demi-tour. Donc là, vous voyez qu'il y a un ennemi en face. Et donc, je me suis dit, bon, j'y vais pas. J'ai une arme à courte portée, donc on va pas tenter le diable. Et donc, d'ailleurs, je vais retenter une dernière fois, voir vraiment s'il est là. Et puis, tout simplement, je vais tout simplement faire demi-tour, hein. Je me dis, bon, je vais pas tenter vraiment le diable. Voilà, donc je me répète. Et on va essayer de passer par l'autre côté. Donc on va essayer d'aller vers A. Donc vraiment ça c'est un point vraiment très important. Si vous savez au fond de vous que vous n'allez pas avoir le dessus sur votre adversaire, ça ne sert vraiment strictement à rien de tenter de l'avoir. Si vous savez qu'il est avec une arme à longue portée et que vous êtes avec une arme à courte portée, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir l'avantage. Ça sert à rien. Faites demi-tour. Essayez d'avoir des adversaires beaucoup plus faciles à éliminer. Et vraiment ne pas tenter des choses que vous savez très risquées. Donc là, vous voyez que je vais essayer de passer par A, toujours en étant très prudent. Vous voyez que j'ai vu un tir là, hein, un tir de sniper, hein, je crois que c'était un tir de sniper. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va pas tenter, hein, on va pas s'éboucher de ce côté-là. Donc on va y revenir vers le point B et vous allez voir si ça va payer ou pas. Donc vous allez voir si les ennemis respawnaient. Et voilà, j'avais raison, vous voyez. Ça ne sert à rien vraiment de tenter quelque chose, surtout que vous voyez que là j'ai réussi à revenir vers le point B, donc vers le point 3, point rouge, 3 rouge. Et vous avez vu que j'étais en position de force vu qu'ils étaient dos à moi et du coup j'ai pu les éliminer le plus facilement possible. Voilà, donc là je suis plutôt bien dans ma série, hein. Vous voyez que je suis dans les 14-15. Et donc là je me dis bon, on va temporiser tranquillement, on a C, donc maintenant il faut savoir s'il respawn à B ou s'il respawn à A. Tout simplement, je vois que mes coéquipiers sont plus vers B que vers A.
Oui, d'ailleurs, c'était même pas mon coéquipier. Enfin, toujours est-il que voilà, j'ai opté pour la solution B. Et vous allez voir que c'était payant. Donc vraiment, il faut alterner. Bon, là, j'avoue que j'avais un peu de chance. J'aurais pu très bien choisir A et j'aurais pas eu autant de chance. Donc c'était un petit peu un coup de chance. Enfin, j'ai vraiment essayé, on va dire, de faire l'endroit qui était le plus... Enfin, la distance la plus courte. Et j'ai eu de la chance sur ce coup. Mais si... Ce déplacement n'avait pas été concluant, j'aurais tenté d'aller sur A. Voilà, donc on va retenter. Je me suis dit, bon, allez, là on voit un radar portatif, donc ça veut dire qu'il y a du monde. Il y a du monde, et je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il y avait un petit sniper derrière sa petite barrière. Donc je me suis dit, bon, c'est un campeur, il va rester là, ça sert à rien vraiment de essayer de continuer dans cette voie. On va essayer de voir comment ça se passe sur A. Et surtout, je me suis dit, bon. Là, vous voyez bien que je suis à 110 et à 169, donc on perd. Et on perd deux positions. Donc ça veut dire que ça va aller très très vite. À ce stade de la partie, ça va aller très très vite. Et il va falloir que je me dépêche un peu. Donc je vais aller vers A. Vraiment, voilà, je suis très prudent. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis très prudent. Je fais un petit tour, jette un coup d'œil à gauche. Et voilà, j'opte pour traverser ces petits endroits plutôt dangereux. Hein. C'est vrai que c'est plutôt dangereux. Là, vous allez voir justement que les ennemis étaient au point B. Donc lui, il était avec son missile Predator. Enfin, il était en train de me mettre son missile Predator. Donc ça m'a grandement aidé. Et donc là, vous avez vu qu'on a pris le point C. Alors, je vous avoue que ça m'a pas vraiment arrangé. Donc, tout simplement, là, je vois un point rouge. Donc je vais aller m'y diriger. Et là, vous voyez on perd à 185. Et c'est très compliqué, là, de réussir la moi. Ben, 187 maintenant. Je sais pas vraiment à combien je suis. Là, j'ai vraiment un coup de chance. J'espère vraiment que les ennemis vont apparaître par là. Là, j'en vois un. Voilà, c'est génial. Là, je recharge. Et vous allez voir que ce mouvement va être très très compliqué. Voilà, j'ai plus de balles. Je switch. Et c'est bon, j'arrive à l'avoir avec ma MP9. J'ai la MOAB sur cette map. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Là, je crois que j'ai un peu bougé le micro. Voilà, donc je lance la MOAB. Et vous avez remarqué une chose. Je suis passée vraiment très très peu de fois. Dans le couloir de droite, et je suis absolument, enfin, je suis jamais passé vraiment dans le centre de la map. Et vous avez vu que c'est concluant, j'ai réussi une mob avec la PM9, ce qui n'est pas chose aisée, vous me l'accorderez. Voilà, donc maintenant l'aspect pratique est terminé. Voilà, je pense que j'ai à peu près illustré tout ce que je vous avais dit auparavant. Maintenant, on va se quitter de ce gameplay, et maintenant je vais vous faire un petit récapitulatif de ce tutoriel. Maintenant, nous allons récapituler tout ça. Alors, premièrement, il faut privilégier le côté gauche du côté droit. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le côté gauche est beaucoup plus protégé et beaucoup moins dangereux que le côté droit. Deuxième chose, ne jamais passer. Mais alors, quand je dis jamais, c'est vraiment éviter, vraiment, mais sauf s'il vous reste, je sais pas moi, s'il vous reste 10 secondes dans la partie, si vous vraiment tentez une map kamikaze. Mais sinon, il ne faut vraiment jamais passer dans le centre de la map. Celui-ci est très dangereux. Troisième chose, il faut faire très attention aux spots de camp du côté droit. Donc les spots de camp les plus courants sont ceux sur les caisses, derrière la barrière ou bien derrière la grue. Ensuite, il faut faire demi-tour si vous n'avez pas l'avantage de la situation. Donc ça, comme je l'ai expliqué, si vous voyez que vous n'allez pas avoir l'avantage, si vous voyez que l'ennemi est en train de camper ou s'il vous attend, vraiment faites demi-tour et essayez d'avoir des ennemis beaucoup plus vulnérables. Et enfin, je vais préconiser sur cette map des armes à courte distance comme les mitraillettes. Donc je favorise vraiment les armes vraiment à très haute cadence de tir et très puissantes, mais qui n'ont vraiment pas une très grande portée. Donc à la limite, des fusils d'assaut très, très performants comme l'AK-47, la CM-901 ou des armes comme celle-ci. Mais vraiment, c'est vraiment... Enfin, le moyen d'être le plus performant, putain, je vais y arriver, c'est d'utiliser des mitraillettes. Voilà. Et maintenant, je vous conseille d'utiliser tous ces conseils à la lettre. Et j'espère que dans les commentaires, vous me direz si vous avez réussi à réaliser une MOAB sur cette map. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura aidé et qu'il vous sera utile à l'avenir. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain tutoriel, pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!